Congoli Panda. Oh, Congoli Panda. Congoli Panda. Azuli kanisi ya malamu puna kusepelisa Panambuka Kongo Kongo Lipanda Asali Libango Kongo Lipanda Paninga Puna kuyeba historia Kongo Landa Kongo Lipanda. Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers téléspectateurs, il y a Congo Lipanda, Mbote Mingi, Payo Bozoami, Toye Lelo, na bureau, il y a l'homme de Dieu, qu'on discute par rapport à Saint-Esprit, et puis par rapport à l'événement au Pazan, on a quatre églises. Ah ouais, Bozo, on a à travers le monde, on a l'Allemagne, on a la Suisse, on a la Suède, on a la Paris, on a Londres, on a les États-Unis, on a l'Inde, site Nabino Yango, il y a Congo Lipanda, YouTube, au Betska, Congo Lipanda, où j'ai des informations, surtout par rapport à l'émission, on a tout ça, on a battu, on a battu, on a battu, on a donc Lelo. Toyambi, moi je l'appelle mon père. Na tiki la bino tambo yokaye parce que na vanda na liaka liloba. Na yokaka déjà dadi ndenga teaka par rapport ya matea onu toto ile kaka na kati église l'homme de Dieu Shalom. Shalom family. Toyé lelo na bureau ko landa yo par rapport ya grand thème oyo toto discuter lelo sur le Saint-Esprit. D'abord bato ayebi l'homme de Dieu te nga to vanda déjà na liaka déjà na melaka déjà mal commis sur le plan spirituel, va retenir d'abord Nini par rapport à la présentation. Ok, je suis le révérend prophète Patti Ena Kiseki, élit la voix de l'Éternel, représentant et visionnaire de l'église Bateau des Faits Dévorants, 6 sur l'avenue Kingabwa, numéro 171, dans la commune de Ngiringiri, sur 24 Essayo. Voilà, le prophète Patti, c'est un homme de Dieu, serviteur de Dieu, fils de Dieu avant tout. Très bien. L'homme de Dieu, votre rencontre avec le Seigneur. Quand le Seigneur m'a appelé, j'ai eu l'appel en l'an 2013 pour commencer à servir tant qu'homme de Dieu. C'était comment? C'était, on n'explique pas totalement la paix de Dieu. La paix de Dieu est complexe parce que Dieu appelle plusieurs personnes dans plusieurs facettes. Moi, il m'a parlé, il m'a appelé, il a confirmé ça entre la main de mon père Jean-Robert Ngondo Lutumba Ezekiel. Bref, je ne peux pas tout dire ici, donc, mais il m'a appelé. Je suis sûr. Merci. Tu as dit, prophète Patti, nous avons discuté sur le Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? Comment on peut comprendre le Saint-Esprit? Comment le Saint-Esprit peut affecter la vie d'une personne? L'apport du Saint-Esprit dans les sacerdoces. Nous sommes sur le Belango Lelo. L'homme de Dieu, c'est d'abord une introduction. Moutoua l'andibiso, koutaina biso par rapport aux réseaux sociaux na YouTube. À comprendre d'abord Nini par rapport au Saint-Esprit. C'est qui le Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? Qui peut être touché par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, d'abord, ce n'est pas une chose. Donc, la question, c'est quoi le Saint-Esprit est déjà banni. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Donc, je peux répondre à la question, c'est qui le Saint-Esprit? C'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu lui-même, c'est lui Dieu. C'est la troisième personnalité de Dieu. Dieu s'est subdivisé en trois parties. Il suffit le Dieu le Père. Il est venu comme le Dieu et le Fils, et il est revenu encore, il est venu encore avec nous, car il a dit à travers Christ, « Je pars afin que l'Esprit des Pères revienne, et que vous ne soyez pas des orphelins, hein, et que l'Esprit des Pères soit avec vous. » Donc c'est Dieu lui-même qui revient aux troisième reprise. Donc au premier lieu, c'est Dieu lui Père, en deuxième lieu, il vient comme le Dieu et le Fils, et en troisième lieu, il vient comme un esprit que nous ne pouvons pas palper. Donc, en deuxième lieu, avec le rôle à Mouto, tu auras le commun. Très bien. La personne qu'on pouvait toucher, Mouto, tu auras le palper. Et en troisième lieu, à jouer le rôle à un esprit qui demande la foi pour notre Simba. Qui demande la foi pour notre monde dans sa visibilité. On peut voir le Saint-Esprit. On peut voir le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit. La Bible déclare dans les livres de Matthieu, chapitre 3, le verset 16 jusqu'au 18. La Bible dit que lorsque le ciel est ouvert lors du baptême de Christ, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est descendu sous forme d'une colombe. On parle de la forme. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est descendu sous forme
c'est-à-dire il a pris la forme. Atiki ndenga alongwe molimo a jui image moko. La Bible dit il est descendu sur les épaules de Christ sous forme d'une colombe. C'est le Saint-Esprit qui prend la forme. Le Saint-Esprit peut prendre la forme du frère Billy. Le Saint-Esprit peut prendre la forme d'une personne. Il peut prendre la forme d'une matérielle. Le Saint-Esprit. Il peut changer, c'est Dieu. Donc, il peut prendre la forme qu'il veut. Donc, c'est Dieu qui prend la forme. Je vois qu'il forme à moi. Non? Il vient comme Jésus. Je forme, il y a la colombe. Donc, c'est Dieu qui prend la forme. Donc, il peut prendre la forme de tout ce qu'il veut. Et qui peut être alors connecté par le Saint-Esprit? C'est celui qui croit en Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est celui qui est baptisé d'eau et du Saint-Esprit. C'est celui-là d'abord qui a la faveur d'être connecté avec le Saint-Esprit. On est tous ceux qui sont nés de nouveau ont l'Esprit de Dieu. Ils sont enfants de Dieu. Mais nous avons un problème, tous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. C'est ça le problème. Très bien. Plus 243 089 00 6149. Et ça, numéro, il y a une mission Oyo. Tout ça, il y a un bureau, il y a un prophète Patienak, il y a tout ça sur le rapport, il y a Saint-Esprit. L'importance du Saint-Esprit dans l'Église, l'homme. L'importance d'abord, le premier rôle du Saint-Esprit dans l'Église, c'est pour confirmer que nous sommes enfants de Dieu. Il dit dans le livre de Romains chapitre 8, c'est l'Esprit de l'Éternel qui confirmera à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu. Donc pour que je me dise que je suis enfant de Dieu, il faut que mon lit mon ensemble, on en soit qui est bisanga qui n'a moins ensemble. Donc, on a un sentiment. On a servi de confirmation. Il nous confirme que nous sommes enfants de Dieu ou pas. Donc, il y a un confirmer de ce rôle à l'ibosso. Confirmer notre appartenance à Dieu. Que nous appartenons à Christ. C'est le Saint-Esprit qui confirme cela. Il dit je ne vous laisserai pas des orphelins. Je demanderai à mon Père de vous envoyer son esprit. Qui est très important dans les ministères. Qui est très important dans l'Église. Pour nous confirmer que nous sommes enfants de Dieu. Et pour nous rendre les témoins de Dieu. Les témoins de Christ. Pas pour que nous soyons des témoins des autres, non. Il fait de nous des témoins de Jésus. C'est le Saint-Esprit. Il nous rend des témoins. Il nous fabrique. Afin que nous devenions des témoins vivants de Jésus-Christ. Il nous enseigne, il nous parle, il nous corrige, il nous instruit. Le Saint-Esprit. Est-ce que c'est une école où il y a le loup qui est la pauvre moto, tout le monde chrétien, tout le temps le Saint-Esprit? Écoutez, le Saint-Esprit est vaste. On ne peut pas comprendre Dieu jusqu'à la fin. Dieu est Dieu. La réponse, nous avons dit que l'Église a souffert dans l'enseignement. Hein? L'Église a souffert dans l'enseignement. Dieu est Dieu. Et Saint-Esprit, école. Moi, je parle de l'université du Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous essayons de comprendre qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. Dans cette université-là? Oui. Où est-ce que c'est l'Église bateau de fait de voir. Ça, c'est l'université du Saint-Esprit. Est-ce que vous prenez le temps et autant que ça va dire, Saint-Esprit, hein? D'être connecté par le Saint-Esprit? Mais les rouleaux, quand je parle des rouleaux, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous enseigne la parole de Dieu. C'est ça, le corps du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Si tu maîtrises le Saint-Esprit, tu maîtrises Dieu. Alors, on ne peut pas maîtriser Dieu. Alors, comment alors on peut maîtriser le Saint-Esprit? On ne peut pas maîtriser Dieu, on ne peut pas maîtriser le Saint-Esprit. Donc, c'est impossible. C'est impossible de contrôler Dieu. Ce qu'on contrôle, nous avons commis le colonel. Yeah. C'est quoi le sacerdoce? Quel est l'apport du Saint-Esprit dans le sacerdoce? Et votre analyse sur la pratique du miracle actuellement, est-ce que le matériel est très important dans le ministère? Bon, le rôle du Saint-Esprit dans les sacerdoces, dans les, moi j'aime dire les services prophétiques. Non, moi j'aime. Je suis un sacerdoce. Je suis sacrificateur. Tout un sacrificateur, c'est un sacerdoce. Parce qu'il accomplit les services sacrés. Le sacerdoce veut dire accomplir un service qui est sacré.
quand Dieu nous a appelés, nous a établis des sacrificateurs, c'est pour accomplir des services ça, sacrés que d'autres personnes ne peuvent pas les faire. Mais le long de vision avec qui nous, avec Congolais, comment on a sa service, on voit qu'il nous dit mon robot. Et magie. Bon, ce qui est sacré, ça l'a toujours aidé par sacré entendement et battu. C'est ce qu'on appelle les surnaturels. Les surnaturels. Donc, échanger en langue à ma forme, les sacerdoces, les services prophétiques, le surnaturel. C'est ce qui dépasse l'entendement humain. Alors, cela ne peut pas se faire si le Saint-Esprit n'est pas à la base. Quand le Saint-Esprit n'est pas à la base de tout service, de tout serment sacré ou de tout geste sacerdotal, il faut que le Saint-Esprit appuie cela. Il faut que le Saint-Esprit y ait à la base et à la formule. Oui, pousser mon toit salam. Vous comprenez donc, les sacerdoces ne peuvent pas marcher sans la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est elle qui est la maîtresse de tout. Si tu enlèves le Saint-Esprit aujourd'hui dans l'église, l'église ne pourra pas résister devant les diables. Donc la force de l'église, c'est le Saint-Esprit. Et tant que le Saint-Esprit est là, le diable ne pourra pas accomplir tous ses plans. Il accomplira tous ses plans lorsque le Saint-Esprit retournera et que le Fils de l'homme viendra. Donc, ce qui est en train d'empêcher le diable d'agir comme un prophète, je le signale au peuple de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit empêche le diable d'accomplir tous ses projets. L'homme de Dieu, Batienago, est-ce que le matériel est très important dans les ministères? Comment on peut protéger un chef de l'État sur le plan spirituel? Le matériel dans le ministère, bon, on ne peut pas dire très important. Elle est importante. Les biens matériels sont importants. Pourquoi je le dis? Souvenez-vous d'Élie. Élie a voulu deux fois abandonner le chemin de la foi. Élie, celui qui fait descendre les feux. Deux fois, il a voulu abandonner le chemin de la foi. Il dit, Seigneur, je ne m'en ai pas dans l'imbi, à cause de Yanzal. Nous allons laisser ça et lire deux fois l'Iwa. Kozanga Kolia. Et c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Lisez la Bible. Elia Senga Liwa deux fois, deux reprises à cause Yanzala. Il y a cause Yanzala. Nous allons au Kakamoko. Et lire les sacrificateurs. Et lire les prophètes majeurs. À son époque, nous avons quitté la moto. Nous avons fait un miracle, la forme et la forme. Mais cause Yanzala. À Sengiliwa, deux fois, jusqu'à ce que nous avons tiré la première fois, tiré Colombe, a tiré plutôt, comment on l'appelle encore, a tiré Corbeau, il a envoyé les corbeaux. Et lorsqu'il a envoyé les corbeaux, Corbeau a une lipa, a une viande fraîche, Corbeau a joué qu'un wap. Le pain et la viande fraîche, Corbeau a joué qu'un wap. A eu pu se lire dans quatre Zamba, et il y a lié. Mais maintenant, pour la deuxième fois, Dieu envoie un ange avec les pains et la viande. Sur le plan spirituel, signification, je n'entre pas parce que la question était sur le plan matériel. Oui. Je n'entre pas encore dans le plan spirituel. Le matériel est déjà symbolique là, les pains et la viande. Ça montre le matériel. Opona Elia Lia, Azangi matériel puissant en esprit, Azangi Biloko Lia, Azangi Lia. Il manque le matériel, mais il est puissant en esprit. Lorsqu'on n'est pas bien équipé au progresser dans la mission de Zamba Pessu, pour nous, ça nous demande le matériel. Il faut caméras, micro. Si on a un télémabougan, bien que j'ai la grâce, bien que Dieu m'a appelé, je suis consacré, ordonné. J'ai Dieu à mes côtés, il marche avec moi. Mais attends, gangi awa pour que batwa ndil bakuyo kanga baroyo kanga te si je n'ai pas les matériels. Très bonne réflexion. Il faut que le matériel est là pour que grâce nange komati na soukawan. Comment je peux atteindre l'extrémité du monde? Car on nous a envoyé d'aller dans toutes les nations. Jusqu'aux extrêmes des nations, faites-les mes disciples. Non, comment na soukakunande si je n'ai pas un avion pour y aller? Non, comme on a soukane, s'il n'y a pas un bateau pour y aller. Même l'apôtre Paul pour aller à Rome prêcher la bonne nouvelle. Et c'est un cas en cas de bateau. Même Jésus pour aller guérir les fous là-bas. Et c'est un cas traversé dans le bateau. Et il a utilisé les matériels pour atteindre d'autres foules.
Donc le matériel est très important. Le matériel nous sert à atteindre à atteindre la foule et pour annoncer la bonne nouvelle. Sauf télévision, zatoté, amtazan, soukadeli. Sauf internet, etc. Merci, l'homme de Dieu. Est-ce qu'il y a une différence entre l'onction et le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit peut opérer dans la vie d'un. Comment dirais-je? Comment le Saint-Esprit peut opérer dans la vie de nous, les chrétiens? Est-ce qu'il y a une différence entre l'onction et le Saint-Esprit? L'onction, ce sont des capacités qui sont dans le Saint-Esprit. Ce sont des capacités du Saint-Esprit. Donc l'onction, ça se trouve dans le Saint-Esprit? C'est dans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir l'onction si tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc, l'onction, ce sont des capacités qui se trouvent dans le Saint-Esprit. Les capacités que le Saint-Esprit dispose dans son serviteur, dans son enfant qui le porte. Et c'est pour cela que j'avais dit, tu peux avoir le Saint-Esprit, mais nous avons un problème, il faut être rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on devient rempli du Saint-Esprit, c'est par là qu'on vit les capacités du Saint-Esprit, ce qu'on appelle l'onction. Donc, quel est le fondement de la Bible? La Bible a quel fondement? Le fondement de la Bible nous parle vraiment de Jésus, du début jusqu'à la fin. C'est tout. Rien d'autre. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a tout dans la Bible? Dans la Bible, il y a tout, il y a sauf rien. Il faut seulement discerner. Comment on peut discerner? Mais il faut avoir le Saint-Esprit. Comment on peut écouter le Saint-Esprit? Comment on peut écouter le Saint-Esprit? En se disposant à lui. Il faut se disposer. Cette disposition, on peut le faire comment? Dans la concentration. Est-ce qu'il y a un endroit approprié où on peut aller se concentrer? Là où il y a le silence et le calme. Mais il y a aussi des endroits où il y a le silence et le calme, mais il y a, comment dirais-je, un esprit de la distraction. Quel est l'esprit de la distraction? Lorsque déjà on est concentré, c'est qu'on évite l'esprit de la distraction. Quand vous regardez aujourd'hui l'église, est-ce que vous avez des histoires ou des choses que vous-même vous regrettez? Oui, cela ne peut pas manquer. Comme? La manque de foi. Il n'y a plus la foi dans l'église, ça c'est un. Il n'y a plus la considération des hommes de Dieu, ça c'est deux. Il n'y a plus la confiance. Les gens viennent à l'église pour venir seulement. La foi n'existe plus comme auparavant. Ni la confiance envers les serviteurs de Dieu comme auparavant. Le troisième, il n'y a plus d'amour dans l'église. C'est ce que je suis même en train de parler dans plusieurs émissions. Merci. Il n'y a plus l'amour dans l'église. Merci. Il y a l'empoisonnement, etc. Merci, prophète. Est-ce qu'aujourd'hui, le nom de Jésus est bien présenté? Bon, ça dépend de la foi d'une personne. Mais je suis un homme de la foi, non? Je suis un homme de foi. Je dois parler de foi. Ma vie est basée par la foi. La vie des chrétiens est basée sur quoi? Sur la foi à la croix de Jésus et à sa résurrection. Elle est basée en croyance au Saint-Esprit. C'est ça la vie d'un chrétien. Il n'y a pas un chrétien qui n'a pas de foi. Si tu es un chrétien qui n'a pas de foi, il faut chercher là où tu es. Par rapport au nom de Jésus, est-ce que le nom de Jésus aujourd'hui est bien présent? C'est pour cela que j'ai dit que ça dépend de la foi d'une personne. Ça dépend aussi du prédicateur à un autre. Tout ça, ça dépend de la foi. La foi vient de ce qu'on a, on entend. Néglige, on est battu à gars, des mots. Moutons en foi, Yesundé. Osara en foi lorsque vous va crier au nom de Jésus. Foi n'est à la rawan. Mais là, on prêche Jésus, les actes qu'il a posés dans l'ancienne époque, aujourd'hui, et ce qu'il fera demain, parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans l'endroit où on présente Jésus comme ça, la foi aussi de ce qui appartient à Jésus sans entrer de y croître. Et ce qu'on a. Mais là, on parle démon à pourquoi. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est là-bas. C'est la parole. Comment ils auront foi en Christ? Ils auront plutôt foi aux démons. Monsakoli, par rapport à Mbokanabiso Congo, est-ce qu'il nous faut, comment dirais-je, repentance nationale ou une délivrance sur le plan il y a pays Nabiso Mobi? Bon, la repentance nationale, ce sont vos termes des journalistes. Naturellement, on a la Bible, était repentance nationale ou quoi que ce soit. La repentance, c'est Jésus.
D'abord, repentance veut dire le changement. C'est en grec métaloïa, c'est-à-dire le changement de mentalité. C'est ça la repentance, le changement de vie. C'est ça la repentance. La repentance, ce n'est pas seulement en passant au péché, non, c'est le changement de tout. Donc lorsque vous parlez de la repentance pour notre pays, c'est que vous voulez qu'il y ait le changement dans notre pays, dans notre pays. La repentance veut dire le changement de tout. Et tout le monde doit chercher la repentance. Dans sa vie. Dans sa vie. Dans sa maison. Ce n'est pas seulement au niveau national. Parce qu'avant que la nation soit, il y a d'abord eu une famille. Donc cette repentance doit d'abord commencer dans nos familles. Dans nos familles. Le changement de dans notre église aussi. Mais oui, le changement commence dans nos familles. Dieu a appelé Abraham pour faire une alliance. Il quitte Abraham, il fait l'alliance avec sa famille, la famille d'Abraham. Il descend pour qu'il fasse l'alliance avec tous les enfants d'Israël. Et Israël devient la nation de l'Éternel. Donc là, le changement commence toujours par une famille. Merci. Pour ça, il y a 20 minutes. Nous, on a su qu'on peut s'appeler événement à l'église. Parce qu'il y a 30 minutes des arabes à respecter. Ok. Par rapport à 50-50 euros. Vraiment, le 50-50 avec Jésus, il a une vision extraordinaire. Parce que Dieu me l'a beaucoup parlé. Autre commune, la troisième édition en haut. Tout ça là qui est premier en 2015. Premier en 2016. Deuxième en 2017 et troisième Yangoyo en 2018. Troisième édition. Dans 450-50, nous parlons de la part de l'homme et de la part de Dieu. Nous parlons de la responsabilité de l'homme et de la responsabilité de Dieu. Donc nous ne pouvons pas abandonner tout entre la main de Dieu. Parce que Dieu dit à Moïse, qu'as-tu dans tes mains? Moïse répondit à Dieu, j'ai les bâtons. Il dit, c'est avec ces bâtons que tu opéreras les miracles devant Pharaon. Vous voyez, ce n'est plus Dieu qui agit, mais il dépose une grâce à Moïse d'opérer avec les bâtons. La part de Moïse est comme Moïse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça, c'est la part de Dieu. Il y a une capacité. Il y a une renforcer dans ma coquille. Il y a une sagesse. Il y a une intelligence. Il y a une sagesse dans mon bali. Il y a une Adam. A salier moutou. A salier nelingi naye. A pese jardin de den. Mais, Adam, c'est toi qui protégeras les jardins. C'est toi qui cultiveras la terre. Nzambe na ma coquille naye. A kokaki ko cultiver ma belé ye moko. So ki to songi ne bande. Mais a cultiver ma belé ye moko te a zui moutou. Vision ou etarna. A zui moutou abi ki yondem to ko cultiver ma belé. Ko sala bilanga. A part wana ebisi mou yondem to ko bate la oyonga na ke na keli. La nature, la responsabilité a ko protéger ou eza moutou. So ko deside ou kata nzeto eza loupan ou na yon zamba ou peki sote. Donc c'est la même façon Adam a la responsabilité ya ko battre la banzete ya ko battre la biloko nyonso nzamba ke akelaki pe ya ko sala ke yangwe bande ko croître et produire. Dieu avait dit seulement multiplier vous même toi ko sala ke makambo se multiplier et nzamba te mes amours et amours. C'est par là que j'ai eu la vision de 50-50 avec Jésus. Donc dans 50-50, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Donc ce qui yo Bartimé au Kimimba Ngouté et pas Yesu au Gangité Jésus-Christ fils de Tim et fils de David. Moya yo kayo ezate. Alors les Canaan bien qu'ils ont la capacité de bi ki ça. Il faut Bartimé atelema atika ba avec les moussous à landa Yesu. Pierre a privé kokutanana Yesu jusqu'à ce que Yesu soit qui mungu wa Bartimé abibo tika sala nini. Aya, ni nyo lingi Bartimé, ona lingi na mona. Yesu abondeli pona ye,
à Salibonganga, Bartimée à Moni. La part de Jésus, c'était de prier et de guérir Bartimée. Mais la part de Bartimée, la 50 de Bartimée, Ezalaki yako telemabisika Ezalaki, yako landa Yesu, yako ganga. Donc l'homme doit accomplir sa part afin que à faciliter pe nzambe tâche ya quoi accomplir pe par na naye bazalaka ba aveugle belé mais ka Bartimée mutatele maki pona quoi accomplir 50 naye et lorsqu'il a accompli son 50 il favorisait à joaper 50 à Yesu. Très bien. Par rapport il y a première édition, deuxième édition, troisième édition. Particularité à troisième édition, on voit beaucoup plus d'animé. Attitude d'un biso ba chrétien te en ngona troisième édition. Particularité il y a troisième édition exact toujours lobe la les deux éditions na fandi ça qui ont toujours sur Genèse 3. Quand tu as donné la responsabilité dans des batailles ko bébé ça, il fanda ki wana les deux premières éditions. Mais troisième édition, nous parlons maintenant de quand Dieu te visite. Et particularité dans ce que na bengisi ba grâce ya libanda. Dans ba sala nzamba minene. O ba roya roté ya pa. Ba invité. O ba roté. Liboso ezala ki nga moko na apôtre Aidi na kitolonga Joseph ya Angola o toza na yebe awo. Mais cette fois-ci na ba kisi ba grâce mususu uti matadi et grâce exceptionnelle oui tikala toujours exceptionnelle pour nanga c'est la grâce de mon père Jean Robert Ngondo Lutumba Ezekiel mandat donc lui sera là pour clôturer l'événement. Est-ce qu'il y a des musiciens chrétiens on peut pas par rapport à l'événement? Non na katu wana bana nanga ba ko animer yango mais tozala na frère Moïse Batuta ou akozala na pa côté et puis akoyemba. Donc ce sont des grâces particulières oui ko animer. Très bien. L'homme dit mutu azan libana mboka. Peut-être à cause na posa zoape le boko na par rapport ya ndenga yokio na émission alelo. Mutu pas libana mboka to azan na Kinshasa azino un peu opportunité té banda kota na vie chrétien ya oyamba nzambe comme étant Seigneur et Sauveur ya vie na yé. Opportunité oyo nzambe peut-être à pousse apécier ya kota na par rapport ya émission au point de vue. Donc Dieu pas ki à cause wa mamoka ka kunfa ya kunfa mbala moka zo le boko nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur. Mino batu bozui bobeti le bakwa malamu we lekata muta beti le bakwa ko lota diamant parce que Jésus est plus grand et plus précieux que nyon sotokoki ko zanon na mukile aleki diamant na valeur yo muto zui opportunité ya kolanda biso na kat na mission oyo nous ne parlons que de Jésus parce que nous sommes des mandataires de Jésus toza batinda minaye tozo lo bela kaka pona ye yango na na ye bisanom tozo landa biso to landi biso. Ce qui n'a pas été fait pour profiter de l'occasion. Ce qui n'a pas été fait pour le monde, c'est pour quelle raison nous avons été au Salabongo. Parce que dans le siècle, nous avons senti le siècle présent, et puis dans le siècle à venir, nous avons la vie éternelle. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Nous avons gagné 60 kilos, mais nous avons gagné sans Jésus, nous avons fait le. Mais nous avons gagné sans Jésus, nous avons fait le. Fais le choix. Il y a un côté à l'eau, tout y a un gagné sans au côté à l'eau. Jésus est tout pour toi, yambaye. Nazo bonde la ponom to dispose mon tema na yo. Ozo répéter pour nzela moko nanga. Yesu Christo na ndimio lokola moko ndipe mobikisi. Kota na motema nanga. Kota la masumu nanga te. Kota la mabunga nanga te. Na yambio lokola moko ndipe mobikisi. Zala au centre ya vie nanga, koma maître ya vie nanga. Dirige bo mo nanga, kino mokolo ko zonga. Na liana yo mesa elongo. Maintenant gardez silence, je vais prier pour vous. En vertu du Saint-Esprit et par l'autorité divine que je suis, je confirme maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que vous êtes enfant de Dieu et que le Seigneur et que le Saint-Esprit habite en vous. Recevez la puissance du Saint-Esprit et devenez totalement enfant de Dieu. Que votre nom soit effacé dans les livres des morts et que votre nom soit écrit dans les livres des vies, dans les livres de ceux qui appartiennent à Christ et dans les livres de ceux qui vivront éternellement. Que la grâce et la faveur de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit et reste avec vous tous. Maintenant, vous qui êtes malades, je déclare en vertu du Saint-Esprit, par l'autorité divine que Jésus, que vous êtes guéris de toutes sortes de vos maladies, au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Vivez la main de Dieu, par le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Un numéro de contact par rapport à tous ces gens qui nous ont suivis par rapport à cette émission. Point. Oui, mon numéro est celle-ci, mon numéro personnel, 082. 077 66 70 082
077 66 70 082 077 66 70. L'église se trouve sur l'avenue Kingabwa, numéro 171, dans la commune de Ngiringi, Sayo 24, dans la ville, dans notre beau pays, la RDC. Très bien, nous sommes en République démocratique du Congo, comme capitale Congo-Kinshasa. Tu vois qui est pas Moussakoli, le prophète Patié Nakna, il est sur le Saint-Esprit. Événement, nous n'est pas préparé dans quatre églises. 50-50, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. A PC numéro à contact, Bissot Tosan, à plus 243 89 00 60 149. Plus 243 089 00 60 149. 30 minutes, pour le bail, tout ça, rémission à 30 minutes, Bataliban, en boca, pour le landabiso, pour comprendre, tu as qui est là, tu as qui est pas à Moussa Nanzambe, tu as un sou vendredi, mais jeudi, tu as un mappé sous Moussa Nanzambe, mais sous Israël, Kondé, pour tout le bela macambo, Italie, évangélisation, la Kati, en boca, Nabiso, République démocratique du Congo. Ciao! Congo Lipanda! Oh! Congo Lipanda! Azeli kanisi ya malamu puna kosepelisa banambuka Kongo. Kongo Lipanda. Azeli libango. Kongo Lipanda. Peningali. Pona kuyeba historia Kongo. Landa Kongo Lipanda.